Reçois por favor, petite vidéo tutoriel, on va s'amuser un peu. Il est 3 h du matin ici, on dort pas. Voilà, tu vois que c'est une guitare mute. À mute, et ma guitare. Elle s'appelle Just Mute. Donc, c'est une guitare que tu prends dans Purity. Et ensuite, tu vas disposer les notes comme ceci. Ok. Après avoir mis ça, maintenant tu vas mettre des petits claps comme ça. Maintenant on va mettre des toms si tu veux, des congas, c'est comme ça on appelle ça. Ok. Donc tu peux télécharger cet tome, ces congas dans un pack qui est dans la description. Il y a 3 packs offerts. Pack de son avec des instruments qui sont gratuits pour ceux qui me découvrent. Donc tu peux avoir ces différents instruments-ci à l'intérieur. Ok. Tu vois? Ok, donc maintenant, après avoir fait ça, tu ajoutes aussi cet instrument-ci. Tu vois, après tu mets le pied, le kick. Ok, maintenant il y a quoi encore? Il y a des petites tombes que j'ai ajoutées là pour saturer un peu ça. Voilà. Tombe. Vois, des petits trucs comme ça. Il y a une deuxième guitare mute là, voilà. Tu vois, c'est la même guitare de tout à l'heure, sauf qu'ici. J'ai pris une autre guitare du Nexus. Ok. Toujours des guitares mutes. Tu vois. Tu prends ça. Et puis, tu framponnes les mêmes notes que j'ai jouées là. Après, tu remets la première guitare. Ensuite, tu remets les congas.
maintenant, il y a ça aussi qui est la partie principale. Donc, il s'agit d'un piano. Voilà, le voici, le piano. Ping-pong piano, tu vois. Ensuite, tu prends ça. Regarde bien mes configurations, tu vois. Ok, ici, j'ai coupé complètement toutes les zones qui jouent basse. Ok, voilà, c'est en fait ça mes configurations du piano. Maintenant, on va regarder les notes. J'ai ajouté aussi une reverb à ce piano aussi pour qu'il puisse mieux sonner, tu vois. Voilà, regarde bien la configuration. Ok, maintenant ici tu ajoutes aussi une autre guitare. J'ai ajouté une basse, tu vois, mais là attention, j'ai coupé les zones de fréquence basse. Tu vois. Voilà, maintenant il y a une guitare basse. Il s'agit de cette guitare-ci. Toujours dans Purity. Tu vois. Moi, j'utilise pratiquement Purity, hein. Il est très bon. Donc, tu prends ça et ensuite, tu disposes les notes comme ceci. C'est en fait ça. Voilà, donc si on arrive à la fin de cette vidéo, c'était juste pour te montrer comment tu peux facilement faire des instruments comme ça. Tu trouves gratuitement des packs sons et plein d'autres vidéos qui vont t'apprendre, partant de rien du tout, à composer des réels beats afro. Donc clique juste sur le lien qui apparaît juste ici. Deuxième chose, tu peux me contacter sur WhatsApp en cliquant tout simplement sur le lien qui apparaît juste en dessous dans la description. Ou tu cliques sur le bouton qui apparaît juste là, comme ça on va ensemble se mettre en contact. Si tu n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, laisse un pouce bleu. Ciao!